Bonjour mes petits loulous et bienvenue dans cette vidéo découverte de Minecraft Story Mode, la saison 2, épisode 1. Donc on va commencer, une nouvelle histoire. On doit choisir son personnage. Alors j'ai pas encore touché du tout le jeu, hein, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Voilà, lui il a une chouette tête. Hein. On est là, je ne sais pas du tout comment ça se passe non plus. Voilà, on est à l'épisode 1. Alors que son cœur balance entre ses vieux amis et ses nouvelles responsabilités, Jess va plonger dans un monde dangereux et mystérieux après la découverte d'un étrange gantelet prismarin. Hop, on va commencer l'épisode 1. Voilà, on va le mettre comme ça pour être certain que ça passe. Donc je ne sais pas du tout, est-ce que ça va être du Minecraft, est-ce que ça va être un jeu d'aventure? Je ne sais rien de ce jeu, je ne connais pas du tout la saison 1, je n'ai rien suivi. Je suis un ancien fan de Minecraft, donc on va voir un petit peu si on va devoir crafter, se souvenir des plans. Je vous le dis tout de suite, je ne me souviens plus de aucun plan. S'il faut faire les plans, je suis un peu dans la mouise. Donc voilà, là on est sûr du chargement. Cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites. L'histoire est déterminée par votre façon de jouer. Ok. J'ai toujours aimé les histoires où les héros n'ont aucune idée d'un grand destin, qu'un grand destin les attend. Prenez des héros avec une vie tranquille qui s'imaginent qu'il ne leur arrivera jamais rien d'extravagant. C'est le genre de héros qu'on trouve dans cette histoire. Tout a commencé avec une bande. Mais leurs idoles, qui les avaient précédés. Mais quand la catastrophe a frappé et qu'une monstruosité démoniaque a menacé de détruire le monde, ses amis ont découvert que les héros pouvaient avoir de très modestes origines. Ils ont arpenté le monde pour combattre ce monstre et ont dû braver toutes sortes d'obstacles et de sacrifices d'un périple difficile. Mais ils étaient solidaires. En unissant leurs forces, ils ont exterminé la bête et sauvé tout le monde. Ils sont vite devenus les personnalités les plus célèbres du monde entier. Et leur légende, leur aura, n'a cessé de grandir à mesure qu'ils exploraient d'autres univers, s'enfonçaient dans des régions inconnues. Et voilà comment ces cinq amis, ainsi que le cochon le plus courageux du monde, sont entrés dans l'histoire en tant que héros les plus formidables ayant jamais vécu. Ah, Yenye, on est où là? Il a fait des trucs géniaux. C'était très très bien, Luca, bien que pas toujours fidèle à la réalité. Ouais, ben j'ai voulu inclure quelques hyperboles ici et là, juste pour la dramaturgie. Je veux dire, on passe pour des gens cool, c'est une bonne chose. Mieux vaut être honnête. Je ne sais pas trop, Lucas. S'il y a un truc que je retiens de nos aventures, c'est qu'il vaut mieux être honnête. Laissez l'histoire parler d'elle-même. J'imagine que je pourrais atténuer quelques exagérations. Ouais, genre le moment avec la poule magique, tu parles d'un truc improbable. Ça s'est vraiment passé. Ah, c'est vrai. J'espérais la boucler à temps pour la fête de la Fondation, mais bon, l'année prochaine. C'est déjà la fête de la Fondation, sans blague. Je vais me faire avoir à chaque fois. Bravo mon gars, tu l'as bouclé, je suis fier de toi, tu t'es donné du mal. Content que ça vous ait plu, tu as tellement assuré Jess, un véritable héros. On a assuré aussi. Ouais, nous aussi on était là. La plupart du temps, on a réussi ensemble. Fâchez pas, on a tous réussi ensemble, nous sommes l'ordre de la pierre après tout. N'empêche, bonne remarque, je garderai ça en tête pour ma relecture. Merci pour tous vos avis, ça me sera drôlement utile quand Ivor et Harper rentreront dans leur aventure, j'ajouterai un chapitre sur eux, et là, enfin, ce sera bouclé. Mais ça fait longtemps qu'ils sont partis. Jesse, your intern. Ton stagiaire. Jesse. Oh, hey Radar. Oh, c'est très narratif, hein. Là, on est très loin du jeu. Je coupe un petit peu les dialogues. Je vais voir, y a pas moyen de les passer. Non. Ah, reprendre le jeu. Pas moyen de les passer. Oh, he is just adorable.
My deepest, sincerest, utmost apologies if I've caused any inconvenience. Bon, ça fait bizarre de voir les personnages parler et sourire ainsi. On n'a pas, c'est pas l'habitude qu'on a avec Minecraft. So what's up? I got a message from Petra that she's on her way to the mine. J'espère que c'est autre chose que ça, hein, que les discussions à appuyer, parce que là, franchement, si c'est ça, on en est déjà à quelques minutes de vidéo quand même. Hein, on a déjà 5 minutes de vidéo. We should get going. Yeah, about that. We've actually got our own founding day stuff we need to prep for. Yeah, I need to get back to Boomtown. I'm judging a TNT rally in the morning. And I need to finish grading some redstone assignments. I was really hoping to start in on these revisions. Oh, that's okay. I get it. You have your life and so do I. Thanks, Jesse. Yeah, thanks. Petra will never let you hear the end of it, though. Tell Petra I said next time for sure, okay? Bon, l'aventure va-t-elle commencer? Yeah, I'll tell her. I can't believe I'm walking out of the order hall with the order. Ah, so freaking cute. Bon, le monde de Minecraft tel qu'on le connaît, hein? Quelques belles constructions. So the other towns have founding day celebrations, huh? Yeah, man. We honor Magnus every year with a freaking awesome memorial explosion rally. He would have loved it. Over in Redstonia, we're a little lighter on the explosions. I helped Eligard engineer an excellent new music machine for the evening ball. Well, I promise I will try and stop by. It was awesome to catch up with you guys. Totally. Yeah. This has been great. I am going to see you all again. Same time next week. Thanks again, guys. I'll let you know as soon as I'm done with the revisions. Oh, cool. Can't wait. Axel. I tell ya, I am just the luckiest. Yeah? Oh yeah. Bon, voilà, ça parle. Hein. Ça devait être l'introduction. Living in the coolest town in the whole world. Beacon Town. Voilà, oui, c'était l'intro. Bon, aucun pack de texture, hein. Je sais pas si on a, si ça s'applique. Enfin, l'idée est quand même pas mal de mettre le monde de Minecraft dans des saisons, dans des histoires. C'est ce qu'on reprochait justement au jeu, qu'il n'y avait pas réellement de quête, d'aventure à faire. Et c'est ce qu'on adorait dans le jeu, c'est qu'on était libre de faire ce qu'on voulait. Excusez-moi, je bouge un petit peu. Vous savez que ma chaise est assez sonore. Je réalise que vous préférez être aventurant avec vos amis, mais je suis vraiment heureux que vous soyez notre leader. Vous êtes juste... Make this place awesome. Yeah, but being out there, adventuring, that's good too. I mean, I guess. I've never really been the adventuring type myself. Okay, c'est un couillon. Dangerous. Désolé pour le terme. I know that Petra is waiting for you in the mines, but I bet people would really appreciate you. Ah, on doit rejoindre Petra aux portes de Baliseville. On va voir si elle est en QWERTY ou en AZERTY. Là, je suis actuellement en AZERTY. Ok, il est en QWERTY. On va bouger ça tout de suite. Voilà, là c'est bon. I bet one of those would look awesome on the order hall's front lawn. Jesse, dude! Nell, I thought you were out seeing the worlds. Did that? Righteous times. Thought I'd try settling down for a while, though? Like, I love danger and derring do as much as the next person. Well, I'm so glad you're here. Man, that is just the sort of warm welcome I had hoped. You rock, Jesse, dude.
Between you and me, I am worried that I won't, like, fit in here. So many rad builds, awesome people. I really want to make, like, a good très narratif. Which I thought might be helped if my front yard had a statue by the one and only Jesse. Not sure if I have time, but I'll see what I can do. Hey, hey, hey! This is going to be so cool! Scoop up that clay over there and let's get to business! Voilà, donc là, je bouge rien, je ne fais que m'acharner sur le bouton Q. Ah, a blank canvas. Bon, on doit construire quelque chose, ok. Bon, on va faire un peu du n'importe quoi, hein, après tout. Après tout, hein. Ah, on peut tourner. Bonne nouvelle. That is some sweet work. Nice. C'est du grand n'importe quoi, hein. Mais bon. Oh, Jesse, dude, thanks. It was my pleasure. Well, it is an honor, mi amigo, and don't be a stranger, okay? Well, she is a fascinating woman, isn't she? Okay. Very free-spirited. Yeah, kind of reminds me of Petra. Toujours difficile de connaître le speaking of whom, you genre. Said she's waiting for me. Voilà, on va dire le genre. Des personnages. Whoa, Wink, get back here! Leave Jesse alone. Hello there, Jesse. I was wondering when we'd run into each other. Thought we'd give this town of yours a try. It's quite lovely. Yeah, and I can't believe how many people are here. Well, it's so great to see you. We need to hang out. That sounds wonderful. Yeah, totally. Radar, this is Stacy Plays and Stampy Cat. Oh, Wink. Here, Jesse, give him a bone and he'll calm right down. Here, Wink. Nice tasty bone. Aw, see? He likes you. Ha, yeah. You want the rest of these back? Nah, hang on to them. I've got tons. You never know when you're gonna need to tame a wolf. Well, thanks. Ok, bon, les débuts sont assez laborieux dans le jeu. C'est quelque chose qui... voilà. Moi, ça m'embête, actuellement. Yeah, what Stampy said. Anyway, our place is by the gate. Will do. See you guys later. Bon, ok, J'ai looté des os. Des os. Faut que j'aille à la mine. Allez, on va mettre récupérer la canne à sucre. Sugar, nice. Bon, elle est où cette mine? Alors c'est le problème de cette caméra qui ne bouge pas. What is this for? C'est un piston. Bah oui. Idiot. Ça s'appelle un piston. Jamais joué à Minecraft, lui. Hello, Jesse. Bon, elle est où cette mine? Excuse me, ma'am. Thank you. Alors l'œuf tout plein, c'est. Bon, ça c'est pas la mine. Entrée de la mine. Ouais, je suis vraiment une star ici, hein. Nice. Thanks for walking with me. Of course. I wish we could have helped a couple more people get ready. I mean, Founding Day is all about how you took down the Witherstorm and all. Wow, il a mis son t-shirt blanc, son armure, allez. Off doing your
adventure-y things. Just stop worrying so much, would you? Stop worrying. I can do that. It's so simple. Just stop worrying. Am I oversimplifying it? I'll work on it. Bye! Have a good time! Don't I always? Ok, en espérant que maintenant ça a réellement commencé l'aventure. Cela c'est du point and click limite. Hein, je m'attendais pas du tout à ça de Minecraft. Petra? Huh, I swear she said to meet right here. Petra! Where are you? No! Oh, stupid zombie. The creeper. What is this? Oh, smell not so much. Ok, on a une jauge pour taper. Cruauté. Punctual and kicking butt. Nice. Hey to you too, Petra. Hey, glad to see you remember how to use your sword. I was worried you'd gotten rusty. I can't even imagine that life. Managing people, signing papers. Ugh. Yeah, I guess it has been a while since I've done this. Well, that's obvious. You're not even wearing a good suit of armor. I didn't want to dent the good stuff, so what? And look who's talking with an iron sword. Where's your fancy gold one with all the enchantments? Can't remember the last time I saw you without it. Look alive. These deadheads should help you dust off those cobwebs. Too slow, zombies. Typical. Haven't lost my facile, là. Well, you sure showed me. I say, I really appreciate you making it on time. It means a lot to me. I sometimes worry you don't have time for your friends anymore. I know you enjoy your job or whatever. Alors donc il y a des gens qui sont dans une mine avec des zombies qui passent derrière comme ça. Et ces gens-là ils sont pas dérangés du tout. Ils s'attaquent à moi les zombies, hein. Qu'à moi, hein. Bon. Mais c'est très 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 narratif. Olivia's grading something or other in Redstonia, and Lucas is writing. I figured, man. Friends have gotten lame. Très 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 narratif. Our old fans saw what we're doing now. Hey, don't get bummed. Even without them, we're having fun, right? Yeah, that's a good point. At least we've got the cool people here. We'll worry about them later, I guess. We gotta hurry. What exactly are we looking for down here? I'll tell you when we find it. Just trust me, it's important. What was that? Come on, let's race. Wait, what? It's monster hunting time. Voilà, ça va être un monster hunter. Hey, it's Jesse. What's up? Good to see ya. Oh, perfect. I'm starving. Bon, lui, il parle pas. Everyone get down! It's gonna blow! Ok, là c'était du Hugo délire en fait, hein, un petit mélange de genre. Where'd you go? Where'd what go? Ha! Look down there! So you're really not gonna tell me what we're chasing? Nope. The mystery is what makes it fun. Come on. Yeah. Yeah. No. No. Zombie.
I see him. Ok, en mode Hugo délire. Très bête ces araignées. There, it went into that cave. On it. And Petra's in the home stretch. Ah, jeez, more of these guys. Quand même l'aider, hein. Turn to save you, Petra. Ok, c'est déjà plus compliqué que les zombies. Enfin, pas dire plus compliqué, mais moins facile. Petit lag, petit crash peut-être. Ok, on s'en est sorti. Maybe we can steal them off somehow. Like maybe a little lava. Woo, that totally did the trick. Ah, see ya. Hey, no fair. Bon, on va quand même voir ce qu'il y a là-bas au bout, j'espère. Oh, yeah! In your face! Petra! Petra! You're number one! You're number one! Okay, maybe I didn't win, but that still felt awesome getting back out there. Yeah, couldn't agree more. Okay, this mystery better live up to all the hype. Here I come, mystery monster. J'suis un peu déçu personnellement du jeu actuellement, donc voilà mon ressenti. Je suis peut-être pas assez fan de Minecraft que pour adorer ça. Wait, let me get this straight. This quest was just to track down a stupid llama? Quand la Mac pas content, la Mac craché. It's not just a stupid llama. It's important, okay? It's apparently like a treasure sniffing llama, or it's important, okay? Please, just trust me. We just need to bring her back to her owner. Okay, okay, I'm sorry. If you say it's important, then I trust you. Yeah? Yeah. Now, how about we get you out of here, huh? Come here, llama. Come on, come on. On se prend un coup de patte arrière. Ah ouais, classique. That's what you get for wearing that dork armor. Yeah, 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 I'll just have to craft a new set. Dang. Let's get this thing. Don't let it get away. Just grab the... Ok, lama puissant. Voilà, lama pas content, lama craché. Hang on, it's super dark down there. We should make a torch.
Ah, est-ce qu'il y aurait du craft? Ok, donc si je me souviens bien, c'était comme ça. Voilà, donc on se retrouve avec les 9 cases habituelles du jeu. Here, llama, llama, llama. Where'd you go? After you, Mayor Jesse. Told you, I'm not the mayor, I'm the... Leader and hero in residence. I know, it's just that you do a lot of paperwork and like town running things. Ok, ok, bah bon, on arrive à une demi-heure de... Enfin, oui, à bientôt une demi-heure de vidéo. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je suis un peu déçu, perso. Je suis un peu déçu du jeu, je m'attendais à autre chose. Maintenant, je vais peut-être aller plus loin dans l'aventure, mais bon, voilà. Comme ça, on aura découvert le... Bah oui, c'est du sable, hein. Le sable est soumis à la gravité. Donc... Voilà, à moins que ça commence vraiment là derrière. Mais là, je suis un peu déçu. Sérieusement, je suis un peu déçu du jeu. Je crois que ça doit être super pour les gens qui sont fans de Minecraft ou pour les enfants. Les enfants, sans être péjoratif, hein, vous pouvez être adulte et aimer le story mode. Moi, personnellement, je suis pas fan. J'ai d'autres jeux qui me plaisent beaucoup plus que ça. Donc là, on va quand même regarder... Hop, ça c'est pour mettre en pause... Comme regardez ce que c'est. I didn't hear anything. Ouais, c'est à moi qu'on parle. On va quand même découvrir ça, puis après on va arrêter la vidéo. Mais donc vous avez déjà mon avis où je ne suis pas super fan. Ça peut être intéressant, hein. J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu. What is it? Some sort of glove or gauntlet? Looks like it's made out of prismarine. A prismarine? But you only find that at the bottom of the ocean. Nope. Whoa! How did... Where? What is this thing? Seems like it's not hurting you, and that's good. It looks kinda... Okay, actually it looks really cool. Maybe it has, I don't know, like powers or something? Well, if it does, it's too bad it didn't come with an instruction manual. Well, here, I'll help you take it off. Okay, là il faut s'acharner sur la touche. Okay. Ow. Wow. Stop. That thing is really stuck. I just can't shake this feeling that maybe you were meant to find that gauntlet. Wow. Like, maybe it was your destiny or something. Yeah, maybe it was down here waiting for me. Okay, that's just unsettling. Uh-oh, get off the pyramid, quick! Gives me the willies. And what's that sound coming from down there? Yep. Wow, that is bottomless. Well, we can't just leave something like this exposed. We should cover it up. Yeah, agreed. Okay, donc là on doit une nouvelle fois péter les blocs pour après les poser, je suppose. La construction est quand même plus facile ici que dans... plus rapide, hein, que dans un Minecraft. What is that? Not sure, but I'm getting a bad feeling that it's the actual way we're going to fix this. On second thought, let's talk about it anywhere but here. Not getting out the way we came, though.
Ok, donc voilà mes petits loulous, on va arrêter la vidéo là-dessus, vous avez eu mon avis, vous savez ce que j'en pense un petit peu, ça a l'air très intéressant, sans plus, moi c'est pas le truc qui va me faire waouh, non, voilà, ça a l'air sympa, mais sans plus. Graphiquement, ben, c'est du Minecraft, donc on n'a pas à se plaindre, hein. On sait à quoi s'attendre, c'est quand même très, ouais voilà, pour un public... Jeune adulte, enfant, je crois que ça pourrait franchement être chouette pour ceux qui sont vraiment fans de Minecraft. Et encore, ceux qui sont fans de Minecraft, Redstone et tout ça, voilà, là on est vraiment dans un truc très linéaire, sauf les choix que l'on peut faire, qui influencerait l'aventure. Donc voilà mes petits loulous, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, bisous, au revoir.